Bonjour à tous, aujourd'hui c'est l'heure de vous montrer mon glam bag du mois de février. Alors glam bag, qu'est-ce que c'est? C'est une sorte de box sous forme de pochette voilà, qu'il y a aux États-Unis. C'est un abonnement de 10$ par mois et ça a été créé par la youtubeuse Michelle Phan, qui a commencé, je pense que ça a été l'une des premières filles à faire des vidéos beauté sur YouTube. Il y a de ça des années. voilà. Et donc c'est mon deuxième glam bag que je reçois. Le mois dernier il était assez sympa, j'avais adoré. Et ce mois-ci je suis un peu moins, voilà, un peu moins, je sais pas, un peu moins peut-être emballée. Donc le thème, parce qu'en fait il y a plus ou moins un thème, le thème ce mois-ci c'est Metropolis. Donc c'est un peu un thème, on va dire, un peu là, genre fille urbaine, etc. Donc voilà la petite carte qui décrit un peu le thème de la box. Voilà, donc genre un peu comme ça, enfin bref. Voilà. Donc le premier produit qui n'était pas dans la box, parce que c'était un peu gros, enfin dans la pochette pardon, je suis habituée à dire box moi, c'est ça, donc c'est de la marque HIIT, je sais pas, j'ai déjà vu ce nom, j'ai déjà vu cette marque, mais je connais pas. Donc ça, en fait c'est un correcteur anti-âge waterproof haute couvrance. Donc en fait donc, le packaging hein, est hyper gros et en fait on a droit à un échantillon clairement, voilà, donc c'est clairement un échantillon le truc. Voilà, moi j'ai eu teinte médium parce qu'à un moment il y a plusieurs teintes. Ça, normalement je pense que ça devrait convenir. Je ne l'ai pas ouvert parce que je ne l'ai pas encore ouvert. voilà, donc je sais pas à propos de ce truc, un peu déçue. Enfin, bon. Le deuxième produit est pas des moindres, par contre c'est un peu minuscule. Je suis un peu déçue pour ça. C'est de la marque The Balm et c'est le bronzer Bahama Mama. Donc c'est un bronzer qui est hyper connu et tout, j'ai jamais testé donc c'est très bien. En plus de ça j'ai une copine ici aux États-Unis qui veut vraiment l'essayer, donc du coup je pense que je vais lui prêter pour qu'elle essaye pour voir sa bonne teinte. Et donc voilà, en fait le produit à l'intérieur c'est vraiment ridicule, de chez ridicule, enfin c'est vraiment tout petit. Alors je trouve que c'est bien d'avoir mis un produit comme ça, mais pour le coup c'est vraiment tellement petit que... Je sais pas en fait, je trouve ça un peu bon. Bah pour le coup, je suis contente de voir Bahama Mama dans mon pochon et quand je l'ouvre, ah, petite déception quoi. Mais bon, ok. Ensuite, autre produit, c'est encore un produit de maquillage et c'est un blush. Alors du coup, un peu déçue parce que la marque, je ne connais pas du tout. C'est Manakadar Beauty. Je pense pas que ce soit une marque très connue non plus aux États-Unis. Enfin, honnêtement, je ne sais pas du tout. J'arrive pas à l'ouvrir, donc je ne l'ouvrirai pas. Mais déçue d'avoir encore un blush le mois dernier, si vous avez suivi un peu l'histoire. J'avais une palette avec trois blushs que je n'ai pas ouvert. Et d'ailleurs, c'est le seul produit du bag précédent que je n'ai pas ouvert. Et là, je me retrouve encore avec un blush. J'ai pas vraiment besoin de blush, mais bon, voilà. Hein. Quatrième produit, c'est un produit pour les cheveux. Alors la marque, je ne sais pas du tout. Je crois que c'est Rosarco. Aucune idée. Par contre, c'est un vraiment petit format. C'est 22 ml. Donc c'est un produit pour mettre sur les cheveux avant de les sécher. Bah, je l'utiliserai pas non plus parce que je sèche pas vraiment non plus mes cheveux ici. C'est vraiment un protecteur de chaleur. Ouais, je pense pas que j'utiliserai, mais bon, voilà. Hein. Et enfin, le dernier produit, c'est une crème hydratante de la marque H2O+ Beauty. Je connais pas du tout. Voilà, donc c'est une crème ultra hydratante et ça tombe hyper bien parce que j'ai la peau super sèche ici. Et en plus de ça, le format est très intéressant. Ce n'est que 10 ml, mais pour partir en vacances ou pour partir en week-end, c'est vraiment très bien, très pratique. Surtout que je pense que je vais partir bientôt en vacances avec ma famille d'accueil. Donc du coup, ce sera le format parfait pour emmener. Donc c'est tout pour cette box. En conclusion, je suis quand même déçue. Le mois dernier était beaucoup mieux. On avait eu deux produits de grande marque, on va dire. On avait eu un produit Tarte. Enfin, j'avais eu un produit Tarte et un produit The Balm. Là, du coup, on n'a que un produit d'une grande marque, je dirais. Enfin, en tout cas, d'une marque que je connais. Les autres marques, je pense pas qu'elles soient aussi hyper connues. Enfin, j'ai un doute quand même. Si je me trompe et que vous savez, bah, dites-le-moi en commentaire. Mais après, bien sûr que voilà, je vais rester abonnée. Je suis ici que pour un an, donc j'en profite un maximum. Ça ne peut que être mieux et ça peut que me faire découvrir des produits. Donc surtout, n'hésitez pas à me suivre sur Instagram. Vous avez plein de plus de coulisses en fait de ma vie de tous les jours d'au pair aux États-Unis. Voilà, si ça vous intéresse, voilà, n'hésitez pas. Le lien sera forcément en barre d'infos. Et donc, on se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. Bye!